Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Le comité entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.